Bonjour, je suis Germaine Simon, je dirige la société Ami Réseau, spécialisée dans la vente d'accessoires techniques pour châssis, de véhicules utilitaires, de camping-cars, de 4x4 et de poids lourds. Nous allons commencer par le système de vérins hydrauliques. Je connais bien ces systèmes de vérins que je vends depuis 1994, qui servent à mettre les véhicules à l'arrêt parfaitement à l'horizontale. Je n'ai pas d'échantillon à vous présenter ici de ces produits car ils sont un peu volumineux, un peu lourds et je n'en ai pas sous la main, mais vous pouvez voir sur la documentation en quoi consistent ces accessoires, pompe hydraulique, vérin, boîtier électronique de commande, télécommande à distance et tous les raccords qui vont avec les tuyaux hydrauliques. Voilà. Une autre catégorie d'accessoires que je vends également, ce sont ces ressorts car support, la gamme. Ce modèle de gros ressort vient se monter à l'avant du véhicule en remplacement du ressort d'origine. Par exemple, celui-ci, c'est un système sur Fiat X244. Et il existe dans la gamme car support une autre série de petits ressorts qui sont très très puissants aussi, et qui viennent se monter en complément du ressort d'origine, mais pour l'arrière, des petits véhicules utilitaires style Expert Jumpy, Volkswagen T5, Vito, etc. Je vais vous parler maintenant du système de suspension pneumatique auxiliaire Dunlop. Ces coussins d'air à deux étages sont destinés aux véhicules utilitaires et camping-car ou 4x4 à lame de ressort. Ce type de coussin ici est utilisé sur les châssis Alco avec un autre type de système que je n'ai pas à vous présenter ici. Sur un Fiat X250 par exemple, la butée de choc est démontée. Nous avons une pièce ronde qui vient se mettre à la place de l'emplacement libéré lorsqu'on enlève la butée de choc. Cette pièce ronde est maintenue à l'aide de deux petits ergots qui viennent se mettre de chaque côté. Ces petits ergots viennent se fixer ici sur le haut du châssis, sur le longeron supérieur, le coussin étant fixé à cette pièce. Et la partie inférieure du coussin, elle, vient se poser sur un étrier. Cet étrier se pose sur les lames de ressort d'origine du véhicule et une bride de fixation vient maintenir ce support et c'est la bride d'origine du châssis qui existe sur le véhicule. Les boulons, les vis de fixation, les écrous sont livrés avec. Pour le kit compresseur qui est en option, vous avez les pièces également qui sont livrées avec, fusibles, support de fixation, tampon caoutchouc pour éviter les vibrations et le bruit. Le panneau de commande avec les manomètres et les boutons de commande est disponible dans plusieurs formats. Vous avez soit le panneau standard rectangulaire qui lui se met par exemple dans un emplacement autoradio si vous en avez un libre. Le panneau spécial X62 pour le nouveau Master. Panneau spécial pour le X250. Il existe également dans la gamme le panneau spécial pour Ford Transit et un panneau spécial pour X244. Chaque kit est livré accompagné d'une notice de montage. La notice est en français, elle contient de nombreux dessins, des schémas, des explications très claires. Et chaque kit est livré également avec une attestation fabricant qui indique le numéro de série du produit et qui indique également les numéros d'homologation du produit. Le système Top Drive System que je vous présente maintenant, fabriqué par la société Easy Italie Euroservice, existe depuis 22 ans en Italie et j'ai commencé à vendre ce produit en France avec grand succès. Les systèmes sont destinés aux véhicules utilitaires, aux 4x4, aux camping-cars et aux poids lourds également. Le catalogue que je vous présente ici donne une gamme complète d'une multitude de systèmes différents. Et ce petit échantillon que j'ai ici concerne le Fiat X250 avec un coussin 6 pouces. Le kit est livré préassemblé, très facile à installer. Toutes les pièces de fixation sont livrées dans le kit, les tuyaux bien sûr. Le petit boîtier manomètre est livré en standard avec le kit. Les pièces de fixation bien entendu.
Il existe pour le X250 aussi une gamme de coussins à deux étages, en diamètre 6 pouces, mais vous pouvez choisir également le diamètre de coussins plus gros, qui sont 7,3 pouces en version confort, la version renforcée diamètre 8 pouces à deux étages, et la version confort en diamètre 10 pouces. Le panneau de contrôle Fiat également est disponible pour les véhicules X250. Il existe également une gamme de panneaux de commande spéciaux pour Ford Ranger, pour Isuzu D-Max et pour nouveau Isuzu Satellite.